là, regardez. Trouver un chevreuil ou des chevreuils, il y a plein de façons différentes de faire. Il y a plein d'indices. Déjà, il y a les empreintes. Il y a les poils, des fois laissés sur les branches, les barbelés. Il y a leur couchette. Là, ici, on a une couchette de chevreuil. Là, ça a été dégagé, les feuilles ont été dégagées. C'est un chevreuil qui a passé la nuit là. Aussi, il y a les écorçages, là où ils marquent leur territoire, avec leur bois. Et on peut trouver des écorçages comme cela là. En fait, c'est le chevreuil qui marque son territoire. Ça fait partie des choses pour marquer son territoire. Et il y a les crottes, les moquettes. Tous ces indices vont vous permettre de vous rapprocher le plus possible d'un chevreuil. Alors ça ne veut pas dire que vous le trouverez le jour même, mais ça va bien vous aider à faire votre repérage et à vous mettre en affût ensuite ou à poser un piège photographique de façon stratégique. Il est encore relativement tôt, il est 8h du matin à peu près. Et donc je vais essayer d'aller me mettre en lisière de forêt, voir au bord des prairies là, si je trouve des chevreuils. Là ici il y a une belle empreinte de chevreuil. Malheureusement celle-là je vais pas pouvoir la garder. On va pas pouvoir faire de moulage avec. C'est trop humide, c'est de la boue. Elle est facile à reconnaître. Les pointes des sabots, elle les arrondit, donc il est parti par là-bas. Alors vous pouvez suivre les coulées aussi, hein, les passages d'animaux. Vous voyez ici, je pense qu'on a une belle coulée de chevreuils. On va la suivre. Bon, j'arrive bientôt en bordure de forêt. J'ai encore quelques obstacles à passer. Je suis pas du tout sur les sentiers. Retourner sur un chemin, ça va être plus simple pour retourner au bord de la forêt. Ils sont là, regardez. Regardez. C'est un coup de chance. Bon, maintenant vous savez comment pister le chevreuil. Moi je vais continuer à les observer. Si vous aimez cette chaîne YouTube et que vous voulez me soutenir, soutenir l'Instant Biodive, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner. Partagez la vidéo et mettez un pouce bleu. Et je vous dis à la semaine prochaine sur l'Instant Biodive. Ciao.